Merci Madame la Maire, mes chers collègues. À la suite de l'abandon du projet de réforme des caisses des écoles et de l'adoption de la délibération d'ASCO 117 par le Conseil de Paris de juillet 2017, un rapport sur la restauration scolaire est présenté chaque année à notre Conseil pour apprécier les conditions d'exécution, tant sur les aspects financiers et de qualité que sur les ressources humaines et les questions sociales. Et s'il ne constitue pas une étude comparative des différentes caisses, il a de fait pour vocation de leur permettre de s'inspirer des bonnes pratiques existant au sein de chacune d'entre elles. Et des bonnes pratiques, il y en a dans beaucoup d'arrondissements, comme nous pouvons le constater. Dans les modes de fonctionnement des 3000 personnes employées pour fournir les 653 écoles parisiennes, les 47 collèges et les 13 lycées municipaux, et je veux saluer ici leur implication et leur attention pour nos enfants. Dans les modes de gestion et de production, les 22,8 millions de repas par an qui sont extrêmement diversifiés, comme nous pouvons le constater dans ce rapport. Pourtant, à ce stade, je veux regretter que ce rapport n'évoque aucunement la proposition de repas végétariens dans les écoles et leur faible impact carbone. Après les différentes propositions faites par notre groupe, par la voix de ma collègue Anne-Catherine Jégot, un vœu de l'exécutif avait été adopté pour que l'étude menée par la DASCO de juin 2018 soit donnée aux caisses des écoles pour qu'elles puissent expérimenter des menus végétariens de substitution. Or, cette étude ne nous a pas été diffusée et puisque nous n'avons pas de maire d'arrondissement, enfin pas encore, nous n'avons pas été informés, mais nous espérons que ce point sera précisé. Tout en regrettant à nouveau l'érosion de la démographie scolaire dont nous avons précédemment débattu, mais qui impacte évidemment la question de la restauration scolaire, je veux également souligner que se pose la question du mode de gestion de la caisse des écoles du futur arrondissement central, alors que ce rapport ne dresse aucune perspective à horizon 2020, et alors que les quatre arrondissements ne fonctionnent pas du tout de la même façon et ne proposent pas du tout les mêmes prestations. Alors nous espérons bien avoir un éclairage sur cette question, notamment pour la question des personnels concernés qui ne doivent pas rester dans l'incertitude. Anticiper les évolutions fait bien sûr partie des bonnes pratiques à suivre. Enfin, je voudrais revenir sur la part croissante de développement durable mise en évidence dans ce rapport. Une alimentation en circuit court et de qualité, en contribuant au développement de l'approvisionnement local, avec la mise en œuvre d'un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, soutenu par des démarches éducatives, voilà bien les enjeux ambitieux que nous nous étions fixés. Pour une contribution économique, environnementale, sociale, sanitaire, éducative et culturelle de la restauration scolaire. Alors dans ce rapport, nous pouvons donc saluer l'effort fourni par les caisses des écoles, car toutes ont fait une part importante d'augmentation dans la part d'alimentation durable. Cela concerne bien sûr les deux records du 2e et du 5e arrondissement, mais également les caisses des écoles en situation plus fragile, qu'il faudra particulièrement accompagner pour qu'elles s'inspirent des bonnes pratiques. Je profite également pour saluer le travail conduit dans le 15e arrondissement, que je ne veux pas oublier, car depuis longtemps inscrit dans une démarche exemplaire. En conclusion, à la lecture de ce rapport, je ne vous cache pas une certaine satisfaction quand, avec plusieurs élus sur tous les bancs de cette Assemblée, à gauche, à droite et bien sûr au centre, nous nous sommes opposés à la réforme centralisatrice que vous aviez lancée. Pourquoi ? Parce que pour ma part, elle est un exemple très concret d'un bon mode de gouvernance. Avoir une vision globale pour des solutions locales dans une relation de confiance. On le voit chaque jour davantage, c'est en décentralisant vers un échelon de proximité que nous développons la confiance, c'est en innovant et en expérimentant que nous développons les bonnes pratiques, et c'est en évaluant que nous pouvons les développer, les multiplier et les rendre plus compétitives et accessibles. Voilà, mes chers collègues, les éléments que je voulais verser au débat ce soir. Je vous remercie.